Salut à tous, c'est Pacman59, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma troisième vidéo sur le voyage en Espagne. Je suis parti du 10 au 17 avril. C'était très très bien et maintenant je vais demander à Steven Shogun si c'est très très bien passé. Ça s'est bien passé car il y avait du soleil et des nanas. Bip bip. Bienvenue à Galashinga, dans la Tirlandada. Je passe et en fait ouais c'était bien, la plage c'était beau, le ciel bleu, encore une température de plus de 20 degrés, c'est agréable. Tout à fait. Ouais, Big Master, bah, le vrai est encore léger, hein. Il est moins 26. Pardon. Ouais, donc c'était bien, l'hôtel très sympa, la nourriture très sympa aussi, c'était bon. Les filles sympas. Les filles très sympas, chicas. Ouais. Et, dédicace à toi, S. Tu te reconnaîtras. Bon. On se reverra un jour, t'inquiète pas. Bon, l'année prochaine en gros. Inch'Allah. Seul l'avenir nous le dira. Passons parce que je vais me faire du mal. Donc voilà, c'était bien. Encore bien. Encore bien. Et bien. Et puis il y avait du soleil aussi, du soleil, et à un moment donné il y a eu du soleil aussi. Ouais. Et aussi j'ai vu du soleil. Ouais. Je rajouterai beaucoup du soleil. Ouais, ouais, ouais. Et du soleil aussi. Et juste à la fin, le dernier jour, le pire, il y a encore du soleil. Tout à fait. Non, le pire, c'est plutôt la partie pour Aventura. Ouais. On peut dire que nos vacances se résument au soleil, en fait. Ouais. C'est Et aussi au soleil. Ouais. Et encore au soleil. Au soleil. Dédicace à Jennifer. On embrasse Jennifer, on l'embrasse. Ah oui, ah oui. Ah oui, Jennifer. Ah oui. Oui. Et Geekmaster, quelle attraction vous avez fait au Port Aventura? Pas mal, à peu près tout. On retient surtout le Shambhala, on mettra des images dans la vidéo. Une beauté, j'ai failli mourir trois fois, mais ça valait le coup, sympa. Aussi, qu'est-ce qu'on a fait là? Comment ça s'appelle là? Les bouées, c'était sympa? Les bouées, ouais. Tout à fait. Les bouées de salaud, parce que tu passes, tu penses que la bouée, elle t'a pas trop mouillé, t'as fait le trajet tranquille, c'est les autres qui ont pris, t'es content. Et t'arrives à la fin, saloperie de jet d'eau. Voilà. J'en ai eu l'expérience. Ouais, tout le monde a fait les frais. J'étais là, je snappais, tout ça, puis d'un coup, boum, l'eau dans la gueule. En train de kiffer son corps, comme d'habitude, le gars. Je me kiffe. Ouais. Il s'aime, il est fan de lui-même. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, j'ai un beau corps. Et alors, et sinon, l'hôtel avec ses 3 ou 4 étoiles selon l'endroit où on regarde, est-ce que. Qu'est-ce qu'on a pensé? L'hôtel, pas mal? Pas mal? Ben 3 ou 4 étoiles, on sait pas en fait. Mais là, apparemment 4, hein, parce que j'ai compris, c'est 4 la semaine avant qu'on arrive, ils ont tenu la 4ème. Donc c'est plus 4 maintenant, mais c'était 3 avant. Maintenant c'est 4. Et le jacuzzi, t'en as pensé quoi? Le jacuzzi, c'était une tuerie. Bah l'eau était pas très chaude non plus. Il y a eu des morts? Pas très chaude, mais pas très froide. Qui ça? Ouais, l'eau. Et les bulles, la sensation c'est ouf. Ouais. Et une bonne sensation au niveau. Et puis il y avait moyen de prendre des photos de top modèle aussi. Ouais, j'ai pu prendre une photo de moi en mode top modèle. Il y avait les jets d'eau. Je suis pas rendu compte le jour même. Tout à fait. Et franchement. Un petit jet d'eau aussi. En plus, contrairement à l'autre hôtel où on allait avant, à Lloret de Mar. Là, pas de. Dans l'accueil, pas de voleurs, pas de pickpocket, il n'y a pas eu de. Oh non, je trouve qu'il y avait moins de monde. On ne nous a rien piqué et le même Romain, qui avait laissé de l'argent, beaucoup d'argent dans sa chambre, tranquille, sur le fauteuil, on lui a rien pris. Voilà, franchement, c'est. Là, vraiment, pas de voleurs. Hôtel Oasis Park, ceux qui vont à Salou, je vous le conseille parce que c'est vraiment un très bon hôtel. Ouais. Franchement. Puis il est beau. Très beau. Ouais. Luxueux. Très luxueux. Ouais. T'étais dans la piscine, toi? J'étais dans la piscine, pas dans la grande, mais dans la petite. Normal. D'ailleurs, vidéo. Pendant la grande aussi, il y avait les pieds, je crois. Ah, je sais pas, je suis pas allé dans la piscine. Ah, moi, faut savoir, je suis trop dégueulasse pour la piscine. Hein. Donc, moi, si je sors, les gens après, ils finissent avec des yeux comme ça. Et au niveau des activités. Oh, les soirées. Oh, ouais. On a eu une soirée avec Deadpool. Qui est venu. Effectivement. Deadpool, c'était un malade. Il t'a fait un breakdance avec l'animatrice pour enfants de 5 ans. Là. Avec le beau jeu de cul en plus. Super. Une belle battle. Ouais. Que j'ai gagné, forcément. Ah, forcément. Forcément. C'était mémorable. Voilà. Mais bon, il faut dire une chose, c'est que si on n'allait pas nous-mêmes aux soirées,
avec tous les autres du bus. On se faisait chier dans ces soirées-là. Ouais. Là, franchement, il y avait de l'ambiance. Dès qu'on arrivait, il y avait de l'ambiance. On partait, les gens, ils rentraient. Quoi. C'est bon, pliez bagages. Les Français, ils se sont barrés, vous pouvez ranger, là. Les gens, ils s'amusaient grâce à nous, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on foutait nous, il y a au génie, Jacquetta. On t'embrasse, Jacquetta. Jacquetta qui s'est mis le doigt dans le... Tout à fait. Tout à fait. Quel beau moment. On peut dire dans le fion, voilà. Voilà. On embrasse les gens. Mais on n'a pas peur des mots. Ah oui, ah oui, le fion, ah oui. Voilà, on embrasse tous les fions qui nous regardent. François. Jean-Yves Lafesse. Michel. François Fillon. Lana Del Rey. François Fillon. Après, les excursions, pas mal aussi, j'ai trouvé. Il y en a eu. Marché, pas top top. Enfin, le marché, ouais, mais c'est, ça intéresse que les bonnes femmes et. Pas les petites culottes. Et la personne qui achète des baskets. Dis un prix les baskets, dis un prix. Sur la tête de ma mère, dis un prix. Confirme. 10 euros les Nike. 10 euros les Nike, t'entends bien, mais 10 euros, comme ça. Qu'est-ce qu'on a acheté, genre 10 euros. 10 euros. Et mais attention, ce ne sont pas des fausses. Ouais. Bon, d'accord, c'est des fausses. Ah, ouais, c'est pas des Nike, c'est des Nike. Et ton t-shirt Barcelone, 20 euros, c'est un faux, mais il ressemble vachement au vrai. Ouais, c'est vrai, il y avait des bonnes affaires à faire, à part dans la boutique du Barça, quoi. Ouais. C'est chéro. Ouais. C'est chiro, oui, t'es prêt à ça. Moi j'ai craqué pour un survêtement. Bon, mon budget était prévu à la base. Sans boule. Pour le survêtement. Il est rentré, il y avait un portefeuille très lourd. Le mec, ça avait pu marcher là. Quand il est ressorti, il sentait tout léger. Et bah, je pouvais courir. C'est, et c'était c'est, la pauvreté. Ouais. Le gars était voilà, dans la rue. Quoi. Mais ça valait le coup. Hein. Voilà, j'ai. Tout à fait. Après, bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on était pas loin de la plage aussi. C'était sympa. Ouais. Il y avait 5 minutes. Ouais. Ah, et avant la plage. Et ça, le. Et ça. Et ça, j'achète. Ah ça, le Burger King, quand même, hein. Le Burger King. Ah, le Burger King, quand même, qui était terrible. Hein. Même pas 1,50€ les 9 nuggets, 3€ les 2 glaces. 3 fois 9 nuggets. C'est indécent. Et les prix qu'on paye en McDo, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est hallucinant. J'étais avec Geek Master au Burger King et après j'ai attendu deux fois. Après. Lui, le dernier jour, j'arrêtais pas de le voir avec des glaces du Burger King. J'ai été avec en plus. T'as de la chance. Oh le gars, putain. J'ai craqué pour les glaces. On en est invité, merde. Non, c'est vrai que. Ouais. Hey, 59. Oh bordel, bon, on va être obligé de rendre l'antenne là parce que c'est bientôt touche pas à mon poste. Pose chips. ouais, peut-être qu'on se retrouvera dans une quatrième vidéo, je sais pas. On sait pas, peut-être parce que apparemment la personne. Ce play ici va peut-être prolonger le voyage jusqu'au bout de la nuit. Je souhaiterais faire un petit clin d'œil à toutes les filles qui regardent la chaîne YouTube de Valentin Pacman. Et j'en profiterai d'ailleurs pour laisser un message. Mon Facebook, c'est Steven Shogun 2. N'hésitez pas à aller m'envoyer une invitation. J'accepte toutes les filles. Bon, c'est Pacman 59 avec... C'était. Non, salut, c'était pas que ma. D'accord. Salut, c'était pas que ma 59 avec Geekmaster et Steven de Shogun. Salut. C'était pour ma troisième vidéo. On se retrouvera peut-être pour ma quatrième vidéo avec toujours Steven Shogun et Geekmaster. Peut-être Joker. On verra. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Geekmaster Picture. Ça fait. Mais là, c'est des gemmes. Des gemmes ou des gemmes. Pas. Plus des gemmes si possible. Ouais. Plus des gemmes. Ça m'arrange plutôt vers le haut le pouce, mais oui, c'est mieux comme faites ce que vous voulez. Après, là, c'est négatif, c'est pas bon. Lâchez des coms. Ouais, lâchez des caisses avec, ça a l'air bien. Ouais. Non, lâchez des commentaires. Et abonnez-vous. Et toi, j'ai dit abonnez-vous toi, à lui là, mais j'ai. Abonnez-vous aussi à moi. Pacman 59. Twitter et Facebook aussi. Et Snapchat.